Non mais ça marche pas. De le sodomiser là. Tu sais qu'on peut faire des toboggans comme ça? Ouais mais il faut que ça soit en pente ça. Ouais. En fait en pente, on fait une double ligne, tu mets plusieurs mecs et en fait tu sautes dessus, ça fait un toboggan. Tu glisses. Entre les mecs. Vous voyez les mecs là? Le château là-bas? Ouais. On va le prendre. Il est à nous. Ouais, ok. C'est de mon devoir en tant que chef du régiment de la 14e. Ouais c'est ça. Tu veux un TK? Non. On en parlera avec Verdiab de ça. Et bonjour à toutes et à tous. Ah ouais. C'est Cernes et aujourd'hui je suis en compagnie de Rick Vavas. Bonjour. Allez, bonsoir tout le monde. Mais deux compères de toujours qui vont participer avec moi à l'assaut de ce château. Complètement épique, là on fait un voyage de fou furieux. Exact. On a 1 km à faire avant d'y arriver. Une rivière, on va la passer à la nage, on est des fous. Et puis voilà, on va continuer notre découverte sur ce DLC pour Mountain Blade Warband. Qu'est-ce qui se passe déjà? Alors déjà, à noter que le jeu est gourmand. Ça, j'ai eu des problèmes au tout début. J'ai baissé les graphismes un peu parce que sinon c'était carrément impossible de jouer dans de bonnes conditions. Du troll sur Nice, t'arrives à jouer à Skyrim et t'arrives pas à jouer à Napoléon. Mais c'est horrible parce que Skyrim, je peux remettre ça en moyen, je suis à 30 FPS et puis là c'est la folie. C'est la grosse folie. Alors. Vas-y, moi je tue un cheval. Là ça serait bien un petit assaut avec la musique Marcheus Love de Tchaïkovski derrière. Et là, vache, je fais kamikaze déjà, et voilà. Bah, je suis russe, hein, j'en ai rien à faire. Ah non, je suis prussien, mais c'est pas grave, je suis un allemand. Ah là là, je me trompe des boutons. Ah, c'est bon. Bon. Oh non, le cheval s'est mis devant, j'ai pas pu tuer quelqu'un. Ah là là. Mais en fait, je vous ai perdu. Ah non, c'est vrai. Moi, je suis là encore. Moi, je suis décédé, mais je reviens. Où est Cernay? C'est long comme partie, je suis accroupi. T'es accroupi, ah d'accord. Je suis mort. J'ai juste montré ma tête et je suis mort. C'est difficile là, on sent vraiment la bataille qui fait rien. Là, c'est plus réaliste que sur. C'est un jeu très technique. Je peux pas croire. Bah oui, forcément, c'est plus technique. Je pense moins dans le tas que dans un Warband ou dans un. Même dans un Wi-Fi Iron Sword, on fonce plus facilement dans le tas. En fait, finalement, Wi-Fi Iron Sword, il aurait dû sortir un peu comme Napoleon Wars. Dans le même format, je veux dire. Ah, ce serait pas con. Cool. Ben, déjà pour ça, il y a Zidiluge qui devrait. Qui a un 0.5 et des quelques, je ne sais plus. Ouais, Zidiluge. Ouais, qui est le mode. Oui, Fire Nation de Amateur. Ben, il est franchement. Enfin, au niveau des faces, enfin, des têtes, ils ont enfin un beau travail. Hein. Les têtes sont marrantes. Ah, oui, ça, ils sont très marrantes. Moi, t'as vu, j'ai plus de barbe. Ah, oh. Et moi j'avais une tête de Vladimir, c'était moi, une tête méchante, on aurait dit Poutine après un repas de famille bien arrosé. Bon. Moi ma tête avait pas pu être transcrite dans le jeu, donc il m'avait remis une tête de base. C'est pour ça que j'ai dû refaire mon personnage. Oui, non. Et je m'ennuie un peu moi sur The Deluge, enfin, j'ai jamais aimé vraiment le mode. Il est encore bugué, c'est prometteur hein, pour ce que j'ai vu. J'aime bien quand tu connectes là et puis tu dois te déconnecter, non mais. Putain mais j'arrive à toucher personne. Et oui parce que la visée est totalement différente hein. Elle est plus précise mais l'inertie des balles est complètement différente. L'inertie des balles, j'aime bien ça, ça veut rien dire du tout. Ouais. Si les balles sont inertes, Ricky. Enfin je sais pas. On a perdu la gravité est différente. Je vais faire un kill. S'il vous plaît. Ah. C'est un day. Bon, côté russe. Côté russe. C'est forcément. Parti. Bon, moi je prends Père Noël et puis c'est bon. Hop là. Alors, je suis à la première personne, c'est un peu mieux quand même pour viser. Bah oui, c'est conseillé dans les manuels qui nous transmettent dans le 14e, c'est conseillé de viser en première personne. Et à l'époque, c'était conseillé de utiliser le zoom, même si aujourd'hui on ne peut plus. Alors là, on voit plein de petites fourmis, je peux pas zoomer, c'est un peu dommage. Et où es-tu? Comment faut-il viser? Parce que là, c'est. Alors, ça dépend si. Je suis devant les remparts, je te vois Rick, et je te vois aussi Vavas avec votre bannière.
Donc bon bah là on n'a pas le choix hein. Where are you? Non, j'arrive pas à toucher. Mais où êtes-vous? Je suis devant toi. D'accord. Alors en fait il faut le secret c'est de viser très haut. Parce que là ils sont loin mais, donc. Très haut. Bah, si tu veux viser tous ceux qui respawn là, il faut viser carrément les nuages. Hein. Au si tu veux viser au niveau de la rivière, ben un petit peu. Tu vises leur tête un petit peu dessus, mais il faut se dire aussi que bon, c'est t'es en hauteur par rapport à eux, donc t'as un peu plus droit normalement. Et notre perso, il peut aussi gueuler des conneries. Ouais, ça c'est toujours c'est. Et tu peux faire quand tu appuies sur 3 ou sur fin ou sup ou insert, je sais jamais. En gros, ça dit je me rends. Ah ouais, d'accord. Ou une connerie comme ne tirez pas. Je ferai jamais ça moi. Bah c'est pour ceux qui veulent faire ça et puis à la fin normalement quand tu te rends et que tu jettes tes armes et tout comme ça, normalement on est censé t'exécuter un peloton, c'est à dire tout le monde se met en ligne et te tire dessus. Je ne fais aucun kill une musquette hein. C'est un peu bizarre. Bon, j'ai essayé de viser les nuages. Sinon il y a la deuxième technique qui est on se pose en bas et on attend pendant 15 minutes comme des couillons. Ouais enfin ça c'est pas très héroïque. On se fait un peu chier aussi à mon avis. Ça dépend ce que tu vises hein, mais en même temps les sièges moi ça m'énerve, je m'ennuie mais d'une force. Rick il est mort devant moi. Non c'est vrai. On dirait qu'il dort. Il s'est endormi en plein travail. Oh il est mort. Oh. 5 vies restantes. C'est vrai, non, si j'arrive pas à viser quelqu'un, donc on va changer de coin, Rick, si tu veux. Si tu veux. Et même ta coiffure sur Nice, ça fait très. Ça fait très. Sir Nice. Ça fait moins c'est barbare. C'est tout à fait honteux de faire des illusions comme ça. Non, mais c'est... On peut pas faire des vidéos comme ça, c'est impossible de se montrer devant des milliers de personnes cette manière-ci, cet accoutrement tout à fait ridicule. Et oui, mais tu sais, la customisation des persos est vachement bien, hein, mais moi ce que je regrette juste, c'est tu vois, de pas pouvoir avoir. De pas pouvoir avoir un objet plus la moustache en même temps. Parce que t'as quand même pas mal d'objets, genre de la paille, des pipes ou des cigarettes. Et ce qui est dommage, c'est justement de ne pas pouvoir les avoir par rapport en plus de la moustache. Et par exemple, les lunettes, il y a plein de trucs comme ça. C'est dommage de ne pas pouvoir les avoir en plus, quoi. Mais bon. Bon bah, moi, je pas tout seul. Je viens de me prendre un boulet de canon alors que j'étais protégé par un mur. Parlant de ça, les boulets de canon, ils peuvent traverser aussi le terrain. C'est-à-dire que après, ça dépend de. Aussi. Et rebondissent. Et par exemple, si vous avez c'est derrière une colline et que vous protégez par la colline, si la personne en face prend un boulet de canon, il va traverser la colline. Après, ça dépend de l'épaisseur, bien sûr. Ah ouais, quand même, c'est pas de la merde ce truc. Bon alors par contre, bah au musket ça fait 9 tirs et 9-0 tué. Ouh, celui-là il l'a mérité. Ah zut. Alors oui, il y a un petit truc aussi, c'est que tu sais qu'il n'y a pas de zoom. En fait, le zoom est utilisé pour les officiers quand ils utilisent la longue vue. Ouais. Ouais, quand tu utilises la longue vue. Mais en fait, si tu veux, si tu bidouilles un peu tes fichiers de config, tu peux les, le réactiver le zoom. Putain, je tue personne. En fait, il y a écrit dans une des lignes de ta config du jeu. Écrit disable zoom égale 1 et tu mets 0 et voilà. Enable zoom égale. Non, disable égale 1 et tu mets 0. Ça serait quand même vache de tricher comme ça. Il y en a qui le font, hein. Moi personnellement je ne le fais pas parce que ça me sert pas plus que ça. Mais. Ah, mais je tue personne. Moi j'ai tué une personne et c'était super. Moi aussi, j'ai tué une personne. Du coup, j'ai toujours moins parce que j'étais carré tout à l'heure. Le siège est beaucoup plus difficile, hein, du coup, et je sais pas si c'est vraiment plus fun, du coup. Bah, c'est long, moi j'aime pas, ça m'éprouve moralement. Ça, je me fais chier en fait.
Mais c'est pour le dire d'une façon polie. Ouais. Bah ouais. C'est ça. En gros, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu comme merde? Non, mais non, pas du tout. Mais disons que il y a des gens qui aiment bien jouer siège, mais moi je m'ennuie. Mais après, ils sont peut-être réalistes du fait que tu les sièges c'est très compliqué. Mais moi je m'emmerde. C'est-à-dire que quand t'attaques, tu passes ta journée à crever. Dès que t'arrives devant le fort, tu crèves. Et quand t'es en défense, tu tires sur des mecs très loin, tu tues presque personne. Et c'est quoi ce délire? Voilà quoi. Ouais, j'ai tué quelqu'un, il s'appelait New Player, ouais, trop de prestige. Ouais, tu viens de gagner 5 en renommée. Ouais, t'as vu ça? Napoléon va être fier de moi. Et qu'est-ce qu'il fait là, le cavalier là? Il est mort. Mais je sais pas. Bon, Cernice, tu. Ils sont rentrés en fait, non, ils rentrent par le flanc. Ils sont en train de rentrer, c'est honteux. C'est complètement honteux. Ils rentrent par où? Ils ont défoncé une porte. Non, ils ont défoncé la tour. Gauche, je sais pas, là où on était tout à l'heure. Je suis un meurtrier. Je l'avais dit. Moi. T'as tué Nikolai. C'est qui Nikolai? Je sais pas. D'accord. J'ai compris la référence. J'avais dit, il était passé devant moi. Rick. J'avais prévenu. Rick. Oh putain, je vais me faire. Mais non, je déteste les gens qui savent pas jouer. S'il te plaît. Qui savent pas jouer. Oh, j'adore. Oui, je tue un mec et je me fais TK par derrière. Oui, parce que le type oublie de prendre. D'enlever sa parade. J'aime cette musique classique, c'est fou. Je l'ai pas. J'entends pas. Alors, par contre, le son, franchement, l'ambiance sonore est franchement excellente. Ah! Non, mais pas que les musiques, mais aussi les. Excellente. Les bruits de mousquets. Les mousquets, les mousquettes, ouais, la pluie, les canons, tout ça, les cris, c'est magique. Alors, par contre, il y a une grosse ligne de. Oh putain! Ouh là 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 là! Et vous voyez ça? Et mon PC rame. Mon PC rame comme ça. Tout j'ai mis. Je comprends plus rien, mon PC lag à fond. Oh, j'adore Jean-Luc. Alors là, il y a des très très gros ralentissements parce que mon PC ne peut pas supporter plus que ça. Il y a trop de monde. Ah, il y a beaucoup trop de monde. Évidemment, c'est ça le siège. Hein. La map est absolument immense. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le siège. C'était un aperçu. Dernier mot, Rigovas. Dernier mot? Ouais. Essayez-le. Ouais, c'est génial et vive le 14e, c'est le meilleur régiment français. Le meilleur. C'est le meilleur. Tout à fait d'accord. Ok, bon bah alors on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être pour d'autres vidéos de Napoléonic Wars. À la prochaine. Ciao.